Et nous voilà, et nous sommes le sang. Alors voilà un nom que vous devriez connaître, Energizer. Et c'est vrai que c'est assez Oxshell, voilà, un produit vendu par également la marque Shell. C'est bien ça, c'est le genre de marque qu'on connaît. Energizer, pour moi, c'était a toujours été des piles. Et vous voyez, au-delà des piles, un peu comme on l'avait vu avec EcoFlow, ou par exemple avec DJI dernièrement, ou avec Anker, ou avec pas mal de marques qui font des batteries, ils font des grosses solutions de batteries. Alors là, c'est de deux, exactement la même que. C'est une batterie externe, donc du coup, forcément, c'est plus puissant. J'aime bien le petit côté transparent. Vous voyez, de la Energizer, celle-là, elle est énorme avec les poignées et tout. Il y a des choses assez intéressantes, notamment les poignées, il n'y a pas sur l'autre et tout. Là, on a un haut-parleur, un gros haut-parleur de voyage. Putain, le son. Un petit haut-parleur, et tout ici, ici. Et on se rend compte qu'en fait, c'est à mon avis, bon, ça doit être Energizer, mais c'est plus des produits toi, un peu sous licence, où il doit y avoir une licence, qui était un peu comme Pierre Cardin, tu vois, pour les sacs, où il y a plein de c'est des trucs originaux, mais Pierre Cardin, il a vendu la licence en disant, faites ce que vous voulez, on s'en fout maintenant. Donc, à mon avis, la licence pour développer des produits comme ça a été vendue à une société chinoise ou à un fabricant qui, du coup, propose des produits comme on peut trouver partout, notamment en Chine, mais sous la marque Energizer, ce qui apporte un petit côté quali. Ouais, les écouteurs, ils ont rien. Les produits ont rien de fou, hein, encore une fois. Hein. Ça reste du produit chinois comme on peut trouver à peu près partout. Mais le petit côté sous licence Energizer, moi j'aime bien. Ça s'enlève, ça, tu vois. Ok. Est-ce que je suis parti avec le truc? Ah, ça fait une lampe. Je viens de comprendre. Ah oui, là, tu mets ça là-dedans et ça fait une lampe. D'accord. Ah, pas mal. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Oh, mais... Mine de rien, toi, tu mets ça sur ta batterie, tu pars, et donc du coup, ça te fait une lampe de secours. Très bien pensé. Très intelligent, ça. Je valide. Là aussi, après, évidemment, là, le petit booster de voiture. On a l'habitude, hein. Car jumper. Ici, porte-à-porte car jumper. On a de la batterie externe. Ok, on se retrouve avec des chargeurs. Changer un cigare, c'est vraiment, voilà, on voit que c'est vraiment du produit pas ouf, quoi. C'est, il y a marqué Energizer dessus, Shell. Je pense que c'est à mon avis, je pense que plus la personne va se déconnaître, ça doit être des produits que vous trouvez dans les stations service Shell. Vous me direz ça en commentaire. C'est toute une gamme de produits. Ouais, bon, après, le fait que ce soit marqué Energizer ou pas, c'est pas grave. Mais ça fait des produits qui sont sympas. Et puis, encore une fois, voilà, on peut apprécier que la marque est connue, déjà. Reconnue, je sais pas, mais connue. C'est déjà ça. Voilà, bon, tout en Energizer. C'est pour moi, ça permet de faire du titre putaclic. comme ça, on mettra la vignette ici. On va laisser un peu de temps pour que YouTube comprenne que c'est ma vignette. Merci.